Hey matelot, ici Defroy et aujourd'hui je vous propose de suivre une série en fait de tutoriels consacrés à la construction d'une ville sur Minecraft parce que c'est vrai que beaucoup d'entre vous m'ont fait remarquer que j'ai fait beaucoup de maisons de tutoriels de construction de maisons dans mes vidéos mais j'avais pas encore fait de ville avec toutes ces maisons-là, ça serait un peu dommage. Et c'est vrai que en regardant aussi sur les serveurs de jeu, les serveurs Minecraft comme tels qu'on les connaît, il y a assez peu de construction de villes organisées de manière à ce que ça soit joli. Parce qu'habituellement, lorsqu'on va sur un serveur, eh bien, là je suis sur une partie solo, donc vous verrez pas, mais lorsqu'on est sur un serveur, il y a plein de gens qui font des maisons un peu partout, c'est pas ordonné. Et du coup, quand il y a trop de gens, ça fait un bordel absolument monstrueux. Et il n'y a rien qui est organisé, et c'est très très moche. Et donc, du coup, moi, ce que je voulais vous montrer, oui, j'ai pas mon skin, c'est normal, t'inquiète, c'est comment réaliser une ville sur Minecraft. Donc, ça va pas se faire en une fois, hein, je vais vous montrer une façon de faire une ville. Il y en a bien évidemment d'autres façons de faire. Moi, je vais vous montrer la mienne que j'utilise et qui est plutôt intéressante, celle que j'utilise aussi sur le serveur Amberstone. Donc, une ville, la ville des abonnés, hein, sur laquelle vous pouvez construire aussi avec nous. Et je vais vous montrer en solo, du coup, comment est-ce que je fais ce genre de choses. Voilà, et après on fera les maisons petit à petit en tutoriel séparément. Alors, en premier lieu, ce que j'aime bien moi lors de la réalisation de villes sur Minecraft, on va faire une ville moderne hein, ce coup-ci, je vous préviens quand même, eh bien j'aime bien respecter un minimum quand même le terraforming naturel, c'est-à-dire la manière dont le terrain se fait sur Minecraft naturellement. C'est-à-dire de garder soit des montagnes, soit des fleuves, vous voyez, soit des rivières intactes et de faire la ville entre les deux. Moi, ce que j'aime bien, par exemple, c'est de prendre deux rivières, ici par exemple celle-là, et de l'autre côté d'un biome, celle-ci, vous voyez. Ce sont souvent des rivières qui bordent les biomes et qui donnent un peu des frontières naturelles. Et l'idée, ce serait qu'entre deux rivières, par exemple ici et celle-là, là-bas, vous avez un espèce de biome entre les deux. Et ce serait sur ce biome-là que l'on ferait la ville, c'est-à-dire qu'on aplatirait tout, on enleverait les arbres, hein, on enlève tous les arbres, on les crame, on les enlève à coups de bûche, ou avec World Edit, si vous avez ça sur vos serveurs, vous pouvez enlever comme ça. Donc ça prend un peu de temps, hein, c'est très très long, et une fois qu'on a enlevé tous les arbres, l'idée c'est de raplatir toute la zone à la même hauteur pour avoir une zone facile à construire. Alors c'est ce que j'ai fait du coup sur une zone qui est un petit peu à côté d'ici. Voilà, donc j'ai aplati toute cette zone là. C'est une zone assez grande puisque j'ai envie de faire une ville moderne assez, assez volumineuse on va dire. Et voilà un peu ce que ça donne. Donc ça c'est vraiment la première étape pour réaliser une ville. Alors, du moins sur un terrain naturel sur Minecraft. Alors, pour vous montrer un petit peu, j'ai quand même gardé un petit peu de hauteur par rapport au niveau de l'eau, hein, donc je suis à 3 blocs au-dessus du niveau de l'eau pour la ville, comme ça on peut faire des quais qui sont un petit peu surélevés, on peut faire des plages, donc on peut faire un petit peu de relief là-dedans, c'est ce que je vous invite à faire aussi, hein, à garder 5, 6, peut-être 8 blocs de hauteur par rapport au niveau de l'eau. Ça vous permet de faire des ponts, ça vous permet de voilà, faire des choses intéressantes aussi, de garder un petit peu de hauteur. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, donc c'est un peu long, hein, d'autant plus que évidemment vous aurez à changer tout le sol aussi en herbe. Une fois que vous avez fait ça, l'idée à se poser, la question à se poser, c'est comment est-ce qu'on va architecturer notre ville carrément? Quelle taille de maison j'ai envie de mettre dans ma ville? C'est à peu près ça l'idée. Quelles sont les tailles des maisons que j'ai envie de mettre dans ma ville? Moi par exemple, comme vous le savez sûrement, j'ai déjà fait beaucoup de tutoriels de construction de maisons sur ma chaîne. Et donc je vais aller voir dans mes mondes où j'ai construit mes villes, en fait, enfin mes maisons, leur taille tout simplement. Donc là par exemple, c'est une maison que j'ai fait en tutoriel il y a quelques semaines, il y a 2 ou 3 semaines. Donc c'est une grande maison très sympathique. Et je vais voir à quelle taille elle fait à peu près. 50 on va dire, blocs de longueur sur 40 blocs de large. Donc c'est à peu près ça la taille de mes maisons, moi que je fais en tout cas personnellement, c'est du 40 par 50 ou à peu près. Donc l'idée c'est comment on va faire des parcelles, puisque c'est ça qui va architecturer notre ville. Ok, donc là je vous fais un petit schéma peut-être. Là par exemple on va dire que c'est la mairie, d'accord. Bon c'est pas... voilà, faut avoir beaucoup d'imagination. Hop, je vais faire un petit schéma quand même, hein, c'est juste histoire d'expliquer.
Je vais faire les routes avec les plaques de pression. Et admettons, on a des routes tout autour de notre mairie, ici, comme ça. Et l'idée, c'est que on va faire des routes qui vont se prolonger. Par exemple, ici, c'est une grande route qui va se prolonger sur tout le long d'une ville. Et ici aussi, quand même pareil. Voilà, par exemple. Ok, donc là, on est sur le devant de notre mairie. Et on a deux routes comme ça qui sont juste à côté de la mairie. Ok. Et donc l'idée c'est que je vais rajouter d'autres blocs qui vont symboliser les maisons, les blocs de pierre par exemple. Si j'ai envie de faire des maisons ici par exemple, vous voyez, eh bien j'ai besoin quand même d'avoir une route pour relier les maisons entre elles, pour avoir une architecture globale dans la ville. Et donc ce qu'on remarque, c'est qu'il faut que ça soit le système de route qui permet d'architecturer la ville, qui donne un peu le squelette de la ville si vous voulez. Par exemple là devant la mairie, on peut rajouter un parc ici, vous voyez, un centre-ville véritablement. Voilà, si on prend la diorite comme des immeubles par exemple, eh bien on peut mettre des immeubles comme ça, hop, vous voyez, donc avec trois blocs de hauteur pour symboliser qu'ils sont hauts, les choses. Voilà, donc par exemple ici aussi comme ça, on peut faire par exemple un couloir comme ça, vous voyez, mettons qu'il y a des routes comme ça qui sont sur la longueur de nos buildings et qu'on a la mairie en fond, et bien finalement lorsqu'on est ici en tant que personnage, il faudra imaginer après dans la vraie vie, hein, mais lorsqu'on est ici sur Minecraft, et bien on aura la mairie qui sera en fond vraiment de route et ça la mettra sur un piédestal en quelque sorte. Et grâce à ce genre de disposition, bah vous voyez que les quartiers se font de même naturellement. Si par exemple on a deux routes comme ça qui longent la mairie, et bien on peut avoir un quartier ici, un quartier ici, un autre quartier ici, et un autre quartier encore ici. Vous voyez, donc des quartiers qui peuvent être à thème avec soit des tours, soit des maisons modernes, soit des maisons minimalistes, soit par exemple ici des maisons moderne mais vraiment luxueuse dans le thème. Vous voyez, donc on peut faire des quartiers à thème comme ça. Donc je vais reprendre un petit peu. Voilà. Et donc l'idée, ça va être d'architecturer en gros la place qu'on a fait à ce niveau-là. Par exemple, si j'ai envie de mettre une mairie ici, là, la mairie qui va être le centre-ville, hein, en quelque sorte, on va la mettre ici. Par devant, là, on mettra un parc et sur les côtés, des immeubles modernes, histoire d'avoir un centre-ville un petit peu huppé, comme un peu comme ça. Eh bien, il faut que je me pose la question, évidemment, de quelle taille je vais mettre les bâtiments. Donc là, on a décidé, ça va être 50 blocs par 50 blocs pour une maison classique. Ok, très bien. Maintenant, la question à se poser, c'est quelle taille vont faire les routes entre les bâtiments. Ok, donc je vais reprendre terrain et je vais vous montrer tout simplement les voitures, parce que de la même façon on va architecturer les routes en fonction de la largeur des voitures qu'on a envie de mettre dessus. Moi par exemple, je sais faire des voitures qui font 3 blocs de large. Vous voyez là les voitures, celle-ci par exemple, elle fait 3 blocs de large, donc ben je vais faire des routes qui sont au moins de 3 blocs de large. Si je fais des routes qui sont plus petites, ça passera pas. Et si je fais plus grande, bon bah ça passera, mais il faut pas que ça soit trop grand non plus. Donc moi par exemple, ce que je peux faire, c'est que je peux utiliser de l'obsidian par exemple, pour faire une route voilà, de 3 blocs de large, avec les traits continus, voilà, vous voyez sur le sol, hein, les traits au milieu de la route. Hop, voilà, si j'arrête de faire n'importe quoi. Donc là on a une voie, hop, on fait la voie dans le sens inverse pour créer notre deuxième partie de route. Hop, vous voyez, ok. Donc là, on a notre route, très bien. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est quand même le caniveau et le trottoir. Donc le caniveau, par exemple, je vous propose de le faire en escalier en pierre et le trottoir de le faire en dalle de pierre. Donc le caniveau, j'ai envie de faire un caniveau un peu stylé, tu vois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais creuser à côté pour mettre un caniveau comme ça. Ok, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et j'ai envie de faire autre chose aussi, j'ai envie de faire un caniveau un peu stylé, donc je vais creuser un peu comme ça aussi, et je vais creuser comme ça. Imaginons que la route se prolonge jusqu'ici, ok? Donc je le fais rapidement, voilà à quoi ressemble la route, hein, c'est peut-être plus clair maintenant, hop! Et on va reprendre notre caniveau et je vais reprendre mes escaliers pour faire le caniveau, vous voyez, eh bien je vais faire une espèce d'encoche comme ça. Voilà, et donc il y a une espèce de partie en terre là qui est juste à côté de la route. Vous allez me dire à quoi ça sert ce truc. Eh bien, on va l'enlever.
On va utiliser de la terre, de l'herbe plutôt, en fond de machin. Et l'idée, c'est qu'en fait, vous voyez, les caniveaux qui sont sur le côté de la route, eh bien, l'eau qui est recueillie par ces caniveaux-là vont se mettre directement dans des trous qui vont servir de pot de fleurs, en fait, sur le côté de la route directement. Par exemple, si on met des pivoines, hop, comme ça, sur notre côté de la route ici, avec de l'herbe qu'on va faire pousser, avec de la poudre d'os, hein, on va pas s'embêter, par devant, eh bien, et si on fait ça sur tout le long de la route, bah vous verrez que ça fait quelque chose de très joli, et c'est ce qu'on a envie de faire, pour faire une route un peu stylée, tu vois. Donc je vais quand même boucher ici mes trous, et donc on va mettre encore le trottoir qui n'a pas encore été fait, encore derrière, et on va le faire par exemple à 2 blocs de large le trottoir, peut-être 3 blocs de large, histoire d'avoir de la place, ok. Voilà, donc là pour l'instant, ce que je fais, c'est que je cherche comment je vais faire mes routes pour savoir comment architecturer la ville. J'espère que c'est vraiment clair ce que je fais, hein. Donc la même chose ici sera de l'autre côté de la route. Et donc, on peut calculer la taille qu'aura, la largeur en tout cas, qu'auront nos routes, qui est donc de 3 blocs, plus 3 blocs, donc 6, plus 3 blocs, 9, plus le bloc au milieu qui fait 1, donc 10. Plus les 9 blocs de l'autre côté, ça ferait 19 blocs de large pour notre route. Donc c'est une route assez balèze quand même, hein. 19 blocs c'est pas rien. Mais au moins on a notre taille, on a une taille de route intéressante. Donc l'idée maintenant c'est qu'on a la taille de nos plots qui fait 50 blocs par 50 blocs, plus la taille de nos routes qui font 19 blocs de large. Très bien, donc là au moins on a nos tailles intéressantes. Maintenant ce qu'on a envie de se poser comme question c'est où est-ce qu'on va démarrer la ville véritablement, où est-ce qu'on va mettre le centre-ville. Alors là ça sera en fonction du terrain lui-même, là je peux pas vous donner d'indice précis, c'est là où vous avez la place en fait. Là par exemple si je m'éloigne un petit peu de mon terrain, si on voit un petit peu quelque chose, voilà, là le terrain que j'ai fait, on voit que c'est là où il y a le plus de place, mais voilà j'ai envie de faire à peu près au milieu, donc je vais faire mon centre-ville vraiment par ici, ok. Donc, je vais mettre ma mairie ici. Voilà, j'ai envie de la mettre ici, donc je vais la mettre ici. Hop. Et là, je vais dessiner vraiment les plans au niveau du sol de la tronche qu'aura ma ville au final. Donc, je vais prendre les laines oranges, par exemple, histoire que ça soit un truc bien voyant. Je vais prendre les laines bleues aussi pour faire les parcelles pour les buildings, qui n'auront pas forcément la même taille que pour les maisons. Et je vais représenter, du coup... les maisons par-delà les grises, ok. Donc l'idée c'est que j'ai envie de faire une mairie qui est un petit peu plus grande qu'une maison, donc je vais faire une parcelle qui va être de 50 blocs de large par 70 de longueur, ok. Donc je vais faire ça rapidement ici, voilà, hein, tout simplement, je vais faire un carré sur le sol qui fait 50 blocs de large ici sur 70 blocs de long. Voilà, je sais pas encore quelle tronche aura ma mairie, hein, je sais pas encore quel type de bâtiment ça va être, mais j'ai la parcelle sur laquelle elle va être, donc au moins je sais où elle sera et à peu près à quelle taille. Donc voilà, c'est ça un peu l'idée. Une fois qu'on a ça, l'idée c'est qu'on va venir mettre par exemple des routes qui vont venir entourer complètement la mairie, parce que pourquoi pas. Et donc l'idée, comme je disais, je vais faire les routes en laine noire plutôt, ça va être plus simple. Et j'ai calculé donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 blocs de large autour de la mairie pour faire les routes. Donc, alors évidemment, les parcelles que je mets là en orange et en noir, ça va pas être les blocs définitifs, ce sera juste des dessins que je mets sur le sol pour repérer où est-ce que je vais mettre les éléments principaux de ma ville. Ok, donc là ça va être vraiment uniquement pour le centre-ville, une fois qu'on fera après les différents quartiers, tout ça, là on le fera vraiment élément par élément, mais là pour l'instant on va faire vraiment le cœur de la ville pour que ça soit un minimum propre. Donc l'idée c'est que je vais faire un grand carré autour de ma parcelle de mairie pour symboliser les routes.
voilà à quoi ça ressemble. Alors encore une fois, pour l'instant c'est très très moche, mais c'est normal, c'est juste histoire de placer les choses pour savoir où est-ce qu'on va faire les choses. Évidemment, vous n'êtes pas obligé sur votre jeu de refaire tous les carrés noirs comme j'ai fait moi. Moi c'est vraiment pour illustrer dans la vidéo, hein. Mais évidemment vous pouvez faire vous les routes directement de la manière dont vous le voulez. Il n'y a pas besoin de refaire comme je fais moi. Moi c'est vraiment pour illustrer de manière générale. Alors, du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on a la place où sera la mairie, ainsi que les routes qu'il y a autour de la mairie. L'idée, maintenant, c'est qu'on va reprendre, comme j'avais fait sur mon petit schéma, la taille de ces routes-là, et les prolonger jusqu'à temps qu'on veut, en fait, jusqu'à ce qu'on a envie. Et de faire les grands axes principaux de la route de la ville, en fait, tout simplement. Hop. Alors moi je vais utiliser un mode qui s'appelle World Edit qui permet d'aller un peu plus vite dans la construction, mais ça revient exactement au même si vous le faites à la main, quoi. C'est juste un peu plus long. L'idée c'est juste de prolonger cette route là par exemple sur je sais pas combien de blocs, on va dire jusqu'à la mer là par exemple. Donc là ça va dépendre de votre terrain, je peux pas vraiment vous donner d'indications particulières. On va mettre 4 peut-être. Pouf. Voilà, donc là ça va être notre route qui va être jusque là-bas. Pareil, on va prendre cette route là et on va la prolonger aussi. Hop, voilà, donc un peu ce que ça donne. Pour l'instant, encore une fois, c'est très moche, mais c'est normal, ça va changer après avec le temps. Lorsqu'on fait les débuts des constructions sur Minecraft, avec moi surtout, c'est souvent très moche au départ et après ça rend quelque chose de vraiment très bien à la fin. Du moins généralement. Je vais refaire un peu une route dans ce sens-là aussi, parce qu'après tout, pourquoi pas. Je vais voir jusqu'à où elle va, jusqu'à la frontière okay, de mon truc, donc tout va bien. Hop, je vais faire une route aussi qui va par là-bas. Voilà, voyons jusqu'à où elle va, par là, ok, très bien. Donc là, ça va être les grands axes principaux de notre ville, les axes routiers. Ok, par exemple, cette route-là, on pourra encore la prolonger par derrière et traverser même le biome que j'ai laissé au naturel. Moi, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est laisser des régions complètement naturelles, complètement inchangées de Minecraft, et de faire toute une ville autour, vous voyez, et de faire quelques routes très isolées, tu vois, à l'intérieur, en fait, de cette partie en nature, pour avoir une sorte de forêt à l'intérieur de la ville. Donc ça c'est le genre de choses que j'aime bien faire aussi, donc vous pouvez reprendre ça à votre compte, hein, y a pas de problème. Mais voilà, par exemple ici on a nos routes principales. Maintenant comment on va faire pour placer les bâtiments? Ça va être très simple, je vais placer les bâtiments sur le côté ici par exemple. Par exemple ici là j'ai de la place pour mettre des maisons. Vous voyez les maisons, alors je vais faire les parcelles pour les maisons en orange, hein, pour que ça soit bien. Et ici, vous voyez dans ce sens là je mets 50 blocs aussi, donc je fais un carré de 50 par 50. Voilà, donc ici on a notre première parcelle pour mettre une maison par exemple. L'idée c'est qu'on a encore de la place à côté, donc on peut mettre une deuxième parcelle. Voilà, hein, par exemple. Alors maintenant on se rend compte que on n'a plus la place pour mettre une autre parcelle ici, sauf si on mange sur la mer. Moi, j'ai pas envie de manger sur la mer, puisque c'est une volonté que j'ai personnelle. Après, il y en a qui peuvent effectivement manger sur l'eau si vous voulez, mettre des maisons sur pilotis, ça peut le faire carrément. Moi, j'ai plutôt envie de faire passer la route dans ce sens-là, peut-être dans ce sens-là aussi, histoire d'avoir de la place pour mettre des maisons ici et là-bas, vous voyez, par exemple. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 19 blocs de large à partir du côté de la maison. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Attends, hop. Ouais, c'est ça, j'ai 19 blocs. Donc, je vais rallonger la route par ce sens-là. Hop, voilà, par exemple, ainsi que de ce sens-là, pour avoir un autre quartier à ce niveau-là. Ok, et donc vous voyez que là, la ville commence à s'architecturer en quelque sorte, plus ou moins. Vous voyez que là, on peut rajouter une parcelle de maison juste derrière ici. Mais on n'aura pas la place pour en mettre deux probablement. C'est-à-dire je pourrais en mettre une ici, mais j'aurai pas la place pour en mettre une là-bas. Donc l'idée qu'on peut faire par exemple,
pour avoir un minimum de bonne volonté de faire les choses correctement, on peut décaler légèrement au lieu de coller les parcelles les unes aux autres. Vous voyez ici, l'idée ce serait de coller une autre parcelle juste à côté. Et bien au lieu de coller la parcelle juste à côté, on la décale un peu de 10-15 blocs par exemple, histoire d'avoir un chemin à ce niveau-là. Et un petit parc peut-être derrière la maison, ou un petit bois derrière la maison, ça peut être intéressant. Vous voyez ? Voilà un peu ce que ça donne, donc avec juste une parcelle qui est décollée un peu des autres, histoire d'avoir un petit chemin ici, et pourquoi pas un futur parc à ce niveau-là. Par exemple, comme j'ai ici le fleuve qui se bouche un petit peu, la rivière qui est un petit peu bouchée, ça pourrait donner une porte d'entrée entre la ville ici et la réserve naturelle que j'ai envie de garder comme ça. Vous voyez ? Donc ça peut être un pont naturel. Donc voilà, et ce genre de choses, il faut... C'est une manière de penser en fait. L'urbanisme en quelque sorte sur Minecraft, c'est une manière de penser, de savoir, tiens, ça serait intéressant de faire les choses comme ça, voilà, pourquoi pas. Donc du coup on a la place pour mettre d'autres parcelles ici par exemple. Donc voilà tout simplement, donc pour l'instant on a 4 endroits pour faire des maisons assez grosses, assez intéressantes, et donc on a place pour une mairie. Maintenant ce qu'on a envie de faire aussi par exemple, c'est de rajouter des parcelles qui sont spécifiques à des tours, vous voyez, donc des gros buildings, des hauts buildings dans Minecraft. Alors ça tombe bien puisque j'en ai fait aussi en tutoriel il y a quelques temps des tours, donc je vais pouvoir vous montrer un peu ce que j'avais fait. Et voilà, là par exemple, ce sont des buildings modernes écologiques avec des façades en feuilles par exemple. Donc c'est des buildings super écologiques comme j'ai envie de montrer sur ma ville par exemple. Donc l'idée c'est que je vais calculer la largeur et la longueur de la place qu'ils prennent. Les tours en fait c'est très petit au niveau du sol et très très haut en taille, donc c'est un peu ça l'idée. De faire des plots pour des parcelles pour les buildings qui sont un petit peu plus petits que celles pour les maisons. Et donc je vais utiliser des parcelles qui vont faire de 30 blocs par 30 blocs de large. Pour les tours, les buildings spécifiquement. Par exemple, là, ça va être ma mairie, j'ai envie de mettre des buildings sur le côté à ce niveau-là. Et donc, du coup, ce que j'ai envie de faire, c'est que je vais mettre une rangée de tours à ce niveau-là, de buildings, qui vont faire 30 blocs par 30 blocs. Donc, je vais faire des carrés en bleu, par exemple, de 30 blocs par 30 blocs pour symboliser les buildings. Donc, alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà un petit peu. Hein. Par exemple, j'ai mis des plots bleus ici, du coup, et là-bas. Voilà, donc, bah voilà, par exemple, un peu ce que ça donne. L'idée, c'est que j'ai envie de mettre par devant la mairie un centre-ville, tout simplement, donc un parc central à la ville. Ce que je vais faire pour le symboliser, ça va être juste de l'encadrer avec une route. Par exemple, voilà, je vais aller jusqu'au bord du truc ici. Hop, je vais mettre la route jusqu'à ce niveau-là. Et on va rajouter du coup la route entre cette partie-là et en face, voilà. Alors, ok, donc ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est placer d'autres quartiers. Vous voyez, par exemple, ici, là, j'ai la place pour mettre une ou deux maisons. Bon, au final, j'ai la place juste pour en mettre qu'une seule, parce que l'autre, elle déborde sur la mer. Voilà, donc on peut rajouter aussi d'autres parcelles après, par là-bas ou par là-bas. Mais en gros, voilà, c'est comme ça que va s'architecturer une ville, du moins le centre-ville, véritablement. Après, là, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement simple que je vous propose pour l'instant. Je ferai après, plus tard, des quartiers qui seront beaucoup plus poussés, avec des formes de parcelles qui, elles, seront beaucoup plus élaborées, on va dire. Là où il y aura du relief, là où il y aura voilà, des formes de parcelles avec des clôtures très particulières, genre de choses. C'est le genre de trucs qu'on verra après par la suite. Mais en gros, voilà, pour 2018, je pense qu'on aura toute cette ville-là à faire. Donc pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais coller mes différentes maisons que j'ai déjà fait en tutoriel sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller les voir si c'est pas déjà fait. Je vais finir véritablement ce tutoriel par... voilà, faire ce quartier là ou plutôt par la route, voilà, je vais faire la route déjà, comme ça au moins ça sera fait. Donc fait des repères pour les routes, pour les grands axes routiers, hein, vous voyez, ce sont les trucs noirs qu'on a fait, et j'ai préalablement fait un design de route qui peut être intéressant, que j'ai stocké un petit peu plus loin. Voilà, donc c'est un design de route qui est celui que vous avez là-bas. Donc j'ai utilisé la même chose que je vous avais montré tout à l'heure, c'est-à-dire des pots de fleurs, voilà, alors un peu à quoi ça ressemble. J'ai utilisé du coup
des caniveaux, vous voyez, avec donc des escaliers, comme ça sur tout le long de la route. Sauf que au lieu des caniveaux classiques, j'ai fait des encoches dans le trottoir pour laisser des pots de fleurs directement à côté de la route. Et comme c'est des caniveaux sur le côté, et bien au lieu d'avoir des égouts qui collectent l'eau de pluie hein, sur les routes, et bien ça serait directement des pots de fleurs. Vous voyez, qui boit du coup l'eau des routes, hein, tout simplement. Alors c'est vrai que là il y a des fleurs qui ont sauté, je sais pas pourquoi, je vais vous montrer un peu ce que ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble quand il y a toutes les fleurs qui sont mises. Alors, donc on a globalement la même architecture que ce que je vous avais montré tout à l'heure, hein, c'est-à-dire 3 blocs de trottoir, 3 blocs de caniveau, 3 blocs de passage de voiture, le bloc central pour la ligne blanche au milieu de la route, et la même chose de l'autre côté. Le seul truc différent, c'est que j'ai mis des lampadaires ultra modernes, ultra design, on va dire, d'un côté, avec du coup des blocs et des escaliers en quartz, avec un beacon, une balise là. Et de l'autre côté de la route, j'ai mis tout simplement des bancs, voilà. Voilà, pour attendre le bus ou ce genre de choses. Et c'est ce genre de route que j'ai envie de faire sur ma ville. Ok ? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment faire un pattern, puisque si vous remarquez bien, c'est tout le temps la même chose. C'est un banc avec un caniveau, deux encoches dans le caniveau et un lampadaire. Puis après, c'est deux encoches dans le caniveau, un banc, un lampadaire, deux encoches dans le caniveau, un banc, un lampadaire, etc. etc. Donc c'est toujours la même chose. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un pattern complet avec vous, et après il suffira de le refaire à l'infini pour faire toutes les routes de notre ville. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais directement faire la route qu'il y a devant la mairie avec vous, et après je vais copier-coller tout partout jusqu'à ce que ça fasse tout le long de ma ville. Voilà, tout simplement. Donc je vais enlever, oulala, voilà, toute une partie de ma route. Voilà, ok. Alors, je vais repérer vite fait quand même le centre de la route. Alors, je vais d'abord prendre les blocs blancs. Alors, vous pouvez prendre n'importe quel bloc blanc pour faire la ligne blanche au milieu, hein. Moi, je vais prendre de la neige, par exemple. Pour faire le sol de la route, pour que ça ressemble à du bitume, je vais prendre les blocs de charbon. Vous pouvez prendre l'obsidian, la laine noire, tout ce que vous voulez, hein, y a pas de problème. Moi, je vais prendre les blocs de charbon. Je vais prendre aussi du coup les escaliers ainsi que les blocs de pierre taillée. Alors si je trouve les escaliers, ça va pas être... voilà, les escaliers, très bien. Alors je vais garder ça aussi. Et les blocs de pierre taillée, ils sont où les blocs de pierre taillée? Ils sont là. Ok. Ainsi que les dalles de pierre lisse. Ok, très bien. Donc je vais prendre le milieu de la route quand même. Alors le milieu, il est le milieu de 19, c'est 10, ok, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, qui est là. Donc je vais creuser dans le sol, hein, véritablement pour fermer ma route, ok. Donc voilà, hop, 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 donc je vais creuser 2-3 blocs sur le côté, hop, pour avoir le bitume sur lequel vont rouler les voitures. Donc voilà, je creuse assez rapidement du coup sur le côté. Je remplis tout avec du charbon, des blocs de charbon, comme ça. Ok. Maintenant, je vais faire un côté. Je vais prendre des escaliers en pierre taillée. Je vais, hop, tailler sur tout le long ici, par exemple. Je vais mettre une pierre, un escalier comme ça. Un escalier comme ça, par exemple. Et là, je vais creuser de 2 blocs en arrière. Voilà, et je vais faire une encoche dans le côté de la route. Donc on va faire comme ça, comme ça. Je vais compter 1, 2, 3 blocs. Et après je vais revenir coller à la route. Et je vais refaire une encoche comme ça qui va faire 3 blocs de large. Hop, je recreuse comme ça. Je remets un truc comme ça, et etc, etc. Et je fais ce même pattern là, voilà, à l'infini jusqu'à ce que j'ai fait toute la route. Hop. Alors, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a ça, on va remplir nos trous ici avec des blocs complets. Ainsi que les trous qu'il y a à ce niveau-là. Hop, avec de l'herbe, tout simplement. Ok, paf, paf, paf. Ok, donc ces blocs-là, on va les remplir avec des fleurs. Donc moi j'ai utilisé des pivoines, vous pouvez évidemment mettre autre chose. Si vous avez envie de mettre de la couleur, utilisez des rosiers plutôt que les pivoines. Voilà, fais-toi plaisir, hein, j'ai envie de dire.
Alors, je vais prendre la poudre d'os pour voilà, mettre d'autres fleurs ici, ce qui rend bien. Ok, et sur le reste ici de la du trottoir, on va rajouter tout simplement des dalles en pierre. On va enlever les blocs de terre et on va rajouter hop, des dalles, hop, comme ça. Ok, voilà, et donc une fois qu'on a ça, alors je vais quand même un petit peu dégager la vue en enlevant les blocs juste à côté, histoire de savoir un peu où est-ce qu'on est. Ok, voilà à quoi ressemble notre route. J'ai fait l'autre côté rapidement, hein, c'est la même chose. Et à partir de ce moment-là, on va véritablement changer un peu les choses. On va venir prendre des blocs de quartz, ok, avec des escaliers en quartz, ainsi que une balise. Hop. Ok, on va venir prendre des plaques de pression en bois, des escaliers en bois, hop, ainsi que des dalles en bois, ok. On va prendre aussi des trappes et des pancartes. Pas beaucoup, mais voilà, en quelques-unes. Et l'idée, c'est qu'on va venir d'un côté mettre un lampadaire, ici, et de l'autre, on va mettre un escalier, pas du tout, une... comment on appelle ça? Bon, voilà, tout simplement. Donc l'idée c'est qu'on va venir ici, paf, paf, mettre, hop, des escaliers comme ça, des blocs plutôt de quartz qu'on va mettre comme ça, de deux blocs par deux blocs par deux blocs, etc. Et on va remplacer ces blocs là, vous voyez, par des escaliers, histoire d'affiner un petit peu la forme de notre poteau ici, comme ça, qu'on va faire un peu en biais, ok? Voilà, donc une fois qu'on a ça, l'idée c'est qu'on va venir faire un peu la même chose, mais comme ça, ok, donc à partir de ce bloc là, pouf, pouf, donc on fait hop, hop, comme ça, ok, et l'idée c'est qu'on va venir enlever ces blocs là pour ajouter des escaliers comme ça, les escaliers à l'envers aussi, paf, 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 et là on a un lampadaire qui commence à devenir un peu stylé quand même, on va pas se mentir. On va rajouter juste une balise en dessous du bloc ici et ça nous fait un lampadaire stylé, voilà, tout simplement. Ça fait un lampadaire ultra moderne, la ville que j'ai envie de faire est moderne, donc c'est un peu du même style. Évidemment, si vous avez envie de faire une ville médiévale, bah vous mettez un lampadaire de style médiéval, hein. C'est voilà, avec des bougies et des torches, un truc en bois, genre de choses. Donc ce lampadaire là, il faudra le mettre un coup sur deux sur un socle ici. Par exemple, vous voyez ici j'ai mis un lampadaire, ici j'en mettrai pas, et le prochain coup bah, j'en mettrai un. Histoire que les lampadaires soient pas tous collés les uns aux autres comme des sardines. Alors, une fois qu'on a ça de l'autre côté de la route, on va rajouter un banc, parce que c'est plus joli un banc quand même sur un trottoir. Donc l'idée c'est qu'on va rajouter... On va mettre un escalier à l'envers sur le milieu du trottoir. On va rajouter voilà, trois blocs de dalles en bois ici comme ça. Et on va rajouter un autre bloc à l'envers d'escalier ici. Comme ça, on a une espèce de banc déjà. On va l'étoffer un petit peu ce banc. On va lui rajouter un petit peu de détails en rajoutant des plaques de pression sur le dessus. Des trappes en bois hop, à l'arrière. Hop, comme ça qu'on met en position verticale évidemment, et des pancartes comme ça sur le côté. Hop, paf, voilà, hop, et puis voilà. Donc c'est un petit banc très simple, très facile à faire, mais qui est vraiment très 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 bien foutu. Honnêtement, moi j'aime bien. Voilà, donc l'idée maintenant, c'est qu'il faudra faire les routes sur tout notre circuit qu'on vient de faire là. Donc je vais vous montrer ce que ça donne du coup tout de suite. Paf ! Voilà, ce que ça donne. Alors du coup, une fois que j'ai fini toutes les routes, alors bon, ça prend un peu plus de temps que juste un paf que j'ai fait pour la vidéo. Hein. Quand je dis paf, c'est pour faire une transition, ça fait rigolo, mais en vrai, ça prend beaucoup plus de temps que ça. Voilà, il faut juste le savoir, les routes ça prend du temps à faire. Ce que je vais juste
signaler ici, c'est qu'il faut faire attention au carrefour entre les routes. C'est-à-dire, vous voyez ici, là, la grande route qui se fait traverser par d'autres routes, et eh bien ça fait des carrefours en plein milieu. Et il faut juste faire attention à ça. Donc pour faire des carrefours, évidemment, il faut mettre des lignes blanches au sol, tu sais, comme le système routier français classique. Hein. Ce qu'on peut faire aussi, par contre, c'est de rajouter des trottoirs qui se prolongent directement dans les caniveaux et qui se prolongent par des passages piétons. Ça, c'est le genre de petit détail aussi qui permet de faire ce truc sympathique. Voilà, donc des passages piétons devant les bandes d'arrêt du stop. Ce genre de choses. Mais en gros, voilà, vous voyez que bah, ça rend déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, beaucoup plus sympathique qu'avant. Donc voilà, c'est un peu l'idée pour l'instant de ce que je voulais faire dans cette vidéo pour cette début de ville. Ce que je vais faire moi pour la prochaine vidéo, c'est que je vais placer les maisons que j'ai déjà fait en tutoriel dans la ville. Donc elle va déjà avoir une certaine taille. Et la prochaine fois, du coup, on fera les parcs ainsi que les prochains tutoriels de maisons que je vais faire. Ça sera sur cette ville-là aussi directement. Voilà, tout simplement. Donc on fera peut-être le parc central au niveau de la ville, ainsi que les différents espaces verts de la ville, probablement. Voilà, quelque chose comme ça. Puis après, on fera un port ici sur le devant de la mer. Puis après, on prolongera les routes pour faire des quartiers un peu plus stylisés, un peu plus intéressants à faire, des quartiers à thème avec des maisons italiennes, des maisons modernes, ce genre de choses. Voilà, puis après on fera les tutos pour la mairie, etc. etc. Donc il y a du boulot à faire, je vous le cache pas, mais si vous avez envie de suivre tout ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je retrouverai mon skin la prochaine fois, je vous le promets. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon jeu, bon vent matelot, et à la prochaine.